Eh bien, le salut, du love et des bisous, c'est le Don Alex Nsen, et on se retrouve pour la suite de Tell Me Why, épisode 17. J'espère que vous avez passé une belle matinée, après-midi, soirée, nuit, etc. On se retrouve après des révélations sur Marianne et son passé. Donc là, on a appris qu'elle était riche, qu'elle a voulu partir pour vivre en Alaska à Delos Crossing avant Juno, évidemment. Et on a appris qu'elle a perdu son bébé, qu'elle avait un bébé quand elle était petite. Notre mère était juste avant enceinte, mais elle a fait une fausse couche et son bébé il est mort. Et donc, du coup, tout ce qu'elle avait bâti ici, c'était pour que son bébé un jour découvre son histoire. Et bien, du coup, c'est nous qu'on découvre à la place du bébé. Donc, c'est nous qui les a, qui avons remplacé ces bébés. Je pense que nous sommes adoptés par Marianne, on va pas se mentir. Et on devait ouvrir ce coffre. On sait pas toujours, enfin, on sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. Écoutez, on va l'ouvrir. On arrive à la fin du jeu, on a juste un ou deux épisodes de la fin. Et bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse le code. Et du coup, un O barré vers le haut, un L et un E, je crois. Et un E, bah écoutez, on va faire le code et j'espère qu'on aura les révélations qu'on attendait. Alors, ici c'est un O, ici c'est un L, ici c'est un E. Attention, attention, vous êtes prêts? Révélation. Olé! Non, c'est pas ça? C'était pas ça, donc on va faire une combinaison. On va mettre le E ici, le L ici, le O. Ah, dans l'ordre de sa vie. Attendez, donc du coup, elle a. Oui, donc du coup, le L est en premier. Le L est en tout premier. Si je ne me trompe pas. Ici, c'est bien le O. Et après, c'est le E. Donc l'OE. L'OE. Ok, vous êtes prêts? Pas du tout. Donc c'est pas l'OE. On va faire l'inverse. On va être Léo. Ah, Léon, c'est peut-être le nom qu'elle voulait donner à son fils. Léo. Léo. Très bien, c'est Léo. On va ouvrir le coffre, les amis, et les révélations vont enfin se faire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Taylor? What? Oh, que c'est beau! Vous n'avez pas le son du jeu, vous? Attendez. Moi, le son du jeu, il sort pas sur le PC. Attendez deux secondes. Y a pas le son du jeu? What? Pourquoi le son du jeu il sort pas? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, quand moi je vois mon OBS, le son du jeu ne sort pas. Est-ce que c'est normal? J'ai regardé ça deux secondes. Ah merde. Passe. Hop. Attendez, je vais faire un truc. J'espère que ça va changer quelque chose. Oui, ça devrait changer les choses. Est-ce que le son du jeu sort? Que bon, enfin du son du jeu qui apparaît. Merde, attendez. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi. Hop. Eh ben, re tout le monde, écoutez, j'ai dû faire un petit réglage. Du coup, le son du jeu, il est bien présent sur le PC. Excusez-moi, c'est juste que la télé s'est mise en priorité sur mon PC. Donc, du coup, on retourne à l'aventure. Donc, je vais ouvrir le coffre. Donc, Léo, L-E-O. Et on va lire le papier qui est à l'intérieur. Du coup, peut-être une révélation sur Marianne, une Oli, dernière révélation. elle a compris. Alors, pour Allison et Oli. Ah, J'étais c'est son une mise. fils. Pas de spoiler, nous écrivons des histoires pour comprendre et être compris, mais que serait une histoire sans un début? Je suis désolé de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, les gobelins. Ah, du coup, elle savait qu'on allait Pourquoi elle a mis une découvrir. photo de cet arbre là-dedans? Bon, on va aller voir. Faut peut-être qu'on aille voir cet arbre. Oh, c'est qui? C'est le bébé. Léo Ronan. Oh, Léo Ronan, il s'appelait. Je me souviens, ce qui semblait, c'était bien Pourquoi elle Léo. nous a rien dit? Pourquoi est-ce qu'elle en a jamais parlé? Elle en avait peur. Ben, parce que c'est horrible, putain. Je vais refaire Voilà un montage pourquoi. vidéo du coup de l'épisode parce qu'il n'y a pas de son au début de la vidéo, désolé Allez, encore. tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé. Même si c'est dur. Et il nous reste encore une chose à voir. T'es sûr de toi? L'arbre.
Les amis, on va aller voir sous l'arbre ce qui se passe, hein, Viens, écoutez. on va sur le ponton. On y va, oui. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. On arrive au bout du jeu, là. Je pense qu'après, il y aura l'épilogue. Hop, petite sauvegarde, on descend, on quitte cette cabane de révélation. Tu veux vraiment y aller? T'es sûr qu'on a tout vu? Attends, elle dit ça au moment qu'elle regarde les tableaux, là? On peut rester un peu plus longtemps si tu crois qu'on va trouver autre chose. La liste de réparation de mes mécastors. C'est l'histoire où une tempête a abîmé la maison. Elle a réparé les ardoises du toit. Ah, ok. Elle a réparé les planches arrachées des murs. Elle a réparé la fenêtre cassée. Elle a rétabli le courant. Elle a redressé le poteau avec sa queue. Elle a réparé la fuite d'eau. Tout est réparé, là? Ah, elle a pas tout réparé. Ok. En fait, je sais pas trop. Ok, faut relire le livre. Oh là là. Ok. Où c'est cette histoire? On va devoir retourner au résumé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a réparé? Oh, puis on va devoir retourner au tout début du livre. Ah, il y a peut-être un moment une... Voilà, alors attendez. Hop. The frog, the bear... Ouais, the brave fixed in house. Si, on a vu la réparation. On va lire. Répare la maison. Ok. Alors, elle répare quoi? On va tout lire. Pour tout ce qui est la maison, sans les étés. Et la princesse sera figée dans un placard, craignant que la maison. La tempête, ok. Ok. Alors. Pour toi, les murs, la sage princesse pouvait se débrouiller. Mais le poteau l'inquiétait. Qu'est-ce que je peux faire? Se demanda-t-elle. Donc, elle a réparé le toit et le mur. Ok. Ensuite. Ok, l'ours, ça c'est Monsieur Sam. Donc, lui, il a réparé le reste. Je vais m'en occuper. De quoi? Planche de ses murs. Ok, le mur, le toit. Oh purée, j'ai tout. C'est dur à tout retenir aussi. Donc, le mur, le toit. Ok, le mur et le toit, c'est sûr, elle a réparé. Je veux bien que tu m'aides à réparer le toit. Quand ils ont fini avec le mur et le toit, ils expliquent ensemble le grand poteau penché. Poteau, ok. Donc, ils ont fait le poteau à deux. Le 3 en 3. On conclut qu'il faudrait faire preuve de plus de finesse. Son barrage. Ok, là, juste réparer le toit, le mur et le poteau. Donc, le toit, elle a réparé. Pas les fenêtres. Attends. Elle n'a pas remis en hauteur. Ou pas. Elle n'a pas remis ça. Attends. Le poteau. C'est pas celui-là. Peut-être pas. C'est celui-là qui a été... Elle a réparé la fenêtre cassée. Non, je crois en fait, pas. Je sais pas trop. C'est peut-être ça. Elle a réparé la fuite d'eau. Le poteau. Quel poteau? Attends. Elle a réparé le toit. Elle a réparé le mur. Je vais regarder l'histoire. Elle a réparé quoi d'autre? En trois. Réfléchis. Quand tu as terminé, la surprise qui reste à la tête. Ah, le poteau, c'est pas elle. Ok. Mercastor tombe malade, tac, tac, tac. Il lui rapporte des repas, il apporte des ragoûts de maïs. Un soir, la sage princesse remarquait que la tanière de castor. La princesse s'occupa de mes castors jusqu'au jour où, en arrivant au barrage, elle trouva la forêt bien silencieuse. Oh, qu'est-ce que c'est dur! Ah, les messages cachés dans les messages, j'ai horreur de ça. Peut-être pas réparer tant de choses que ça en fait. C'est quoi, on va faire un par un. Elle a réparé la fenêtre cassée. En fait, je sais pas trop. Elle a rétabli le courant. Pas l'air, non? Attends. Elle a redressé le poteau avec sa queue. Ouais. Elle a redressé le poteau avec sa queue. Elle a réparé la fuite d'eau. C'est pas sûr. Attends. Alors du coup... Elle a voilà. Bon. Ça semblait. Mais j'avais pas vu le toit. Ok, on va lire cette nouvelle lettre. Wow. Nouveau résumé sur ça Marianne. Ça va être dur pour Eddie. Ouais, il aime pas trop parler d'elle. Alors, chère Marianne, tu couvres tes oreilles. Dès que je veux aborder cette conversation avec toi aussi, je pensais que j'aurais sans doute plus de chance par lettre. Je sais que tu n'aimes pas les adieux, alors je verrai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir soutenu pendant ces derniers mois. Je n'imagine pas comment ça a dû être épuisant pour toi de veiller sur une vieille femme malade avec des deux petits à la maison. Je sais que tu aimerais que je continue à lutter contre la maladie et espérer une guérison. Mais si j'ai cette force d'avoir toujours su quand il était temps de renoncer et cette heure est venue, j'ai envie de te demander une dernière faveur. Je t'en prie, veux-tu bien t'occuper d'Eddie? Quand je ne serai plus là, mon pauvre garçon fait le brave depuis que son père est mort.
Moi, je sais qu'il souffre. Je partirai en paix en sachant qu'il a toujours une famille près de lui. Il pourrait peut-être apprendre aux enfants à pêcher. Il adore passer autant auprès d'elle. Merci pour ta chaleur et pour la paix que tu as apportée dans ma vie. Embrasse bien les enfants de ma part, Carole, la mère d'Eddie, du coup. Eh bien, une nouvelle révélation. Il y en a encore trois autres apparemment, donc on va essayer de les découvrir si on est les boss. Les cadeaux du vieil ours à la princesse. J'ai complètement Alors, oublié cette histoire. cadeau du vieil ours. Donc on va revenir au précédent jusqu'à au résumé. The Bear and the Princess. The Bear and the Princess. The Bear Big Paws. C'est pas ça? Les grosses pattes du vieil ours. Non, pas du tout, du coup. Ce n'est pas du tout ça, je crois. Dès qu'on voit le vieil ours, on essaie de lire. Le gobelin, la caverne de glace. Pas du tout. L'anniversaire de la princesse. Ah! L'ours et la princesse ont testé son dos, printemps qu'un loup. Ouais. Princesse parfait tellement. Quand la princesse sait servir ses cadeaux. Trois boîtes identiques à l'orée du vallon. On voit les cadeaux d'ours quelque part? Épée enchantée, ok. Trois boîtes, épée enchantée. Trois boîtes, une épée enchantée, et puis je crois que c'est tout. Ah, attendez, du Il lui a coup. donné quoi déjà? Et si on ouvrait le livre pour vérifier? Il lui a donné. Des roses peut-être? Non. Peut-être pas. Des Je noisettes? suis pas sûr. En fait, je sais pas trop. Du Un saumon poisson. tout juste? En fait, je sais pas trop. Du miel? Non. En fait, je sais pas trop. Trois boîtes de Une quelque chose. jacinthe fraîchement éclose? Ou Le pas? dernier cadeau, c'est quoi? Une jacinthe fraîchement éclose? Une poignée de bémures? Oh purée, c'est pas dans l'histoire tout ça. Attendez. L'ours invite la princesse à monter sur son dos en tant qu'aucun loup ne croise le chemin. Le voilà enchanté. Il a eu un buffet de fruits de mer. Ok, un fruit de mer, entre guillemets, les amis. J'étais en train de bailler, c'est pour ça que du coup, c'est pas ma phrase. Elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon. Ils avaient tous disparu puisque tu as pris tes amis pour acquis dans certains effets malicieux, nous avons monté à la vue. Il y avait une torche. C'est pas du tout les cadeaux qu'on a vus. Hein. Torche. Et puis enchanté. Non, je crois que ce n'est pas le bon cadeau. Non. Ce n'est pas ces cadeaux-là. Parce que du coup, il n'y a aucun cadeau qui correspond à ce qu'on a vu. Ah! Ça, c'est le Megastore. Alors, c'est la princesse qui lui a offert un cadeau ici. Ah, si, si. Alors que sa grosse patte vient tomber sur un poisson brun gras, appelé à l'aide. Ok, donc il a sans doute donné le poisson. Il a donné du poisson. Il a donné quoi d'autre? Elle lui donnait quoi d'autre? Quand elle descendit, pas être dévorée. Oh là là, et les amis, c'est vraiment de la recherche. Hein. Un saumon, ouais, donc le poisson. Une poignée de bémure, une jacinthe. Ok, une poignée de bémure, une jacinthe et poisson. Poisson, bémure, jacinthe. Ok, on a trouvé les cadeaux. En fait, je sais pas trop. Ou pas. Non, arrête de Une prendre n'importe jacinthe quoi. fraîchement Oui, éclose. En fait, je sais pas jacinthe. trop. Oui, il y avait une Une jacinthe. jacinthe fraîchement éclose. Du miel. Non, jamais le frais du Ou miel, le pas. poisson. Un saumon Et. tout juste pêché. Attends. Arrête de faire Une n'importe quoi. jacinthe Et ici. fraîchement éclose. Une poignée de bémures. Voilà! On a trouvé. Joli. Prochaine lettre. La vache. Qu'est-ce Vous que étiez fou c'est? d'elle. Je voulais pas lâcher l'affaire. Désolé pour le mot glisser sous la porte comme si on était en tôle, tu vas bien. Je suis. Passé, j'ai sonné plusieurs fois cette semaine, mais t'as pas répondu, c'est sûrement Sam. J'ai vu de la lumière à travers les greniers à foin, alors je me suis dit que tu étais là, mais que t'avais pas envie de me te parler. J'espère que j'ai pas tout gâché. Gâché? Je sais que je peux paraître costaud comme ça, mais je sais pas parler à une femme comme toi, tu es forte et douce. C'est ça. Tu sais tellement de choses. C'est dur pour moi d'être là à ta hauteur. Allez, je vais tout faire ou quoi? Il veut pas que je finisse ce jeu, hein. C'est incroyable, j'arrête pas de pousser, je baille, j'ai pas de son. Il veut pas que je finisse ce jeu tellement qu'il est cool.
crois que tout ça m'a un peu pris la tête, mais je veux que tu saches que j'ai bien reçu le message et que je vais te lâcher la grappe maintenant. Et qu'il n'y a pas de problème, on veut se croiser dans la rue et se dire bonjour ou pas, c'est pas grave. PS, j'ai remarqué une fuite de ta voiture, alors j'ai mis du mastic, il faudra peut-être quand même l'emmener au garage. Enfin, moi, si tu veux pas que je vienne avec toi, parce que ces mecs peuvent t'arnaquer, si tu veux pas, c'est pas grave. Sam, effectivement. La lettre d'amour à Sam et la lettre finale qui a écrit à Marianne. Le Allez, reste butin deux des gobelins ennemis. malins. Le butin des gobelins malins. Alors, The Frog, The Bear, Princess Party, The Goblin et la Caverne. Alors, ça peut être un truc intéressant. Alors, le butin des gobelins malins. The Good Trick in the Manhunter. The Goblin and the Beaver, non? C'est pas ça? Le gobelin sauve Mémé Castor. Sur ça. Ah, c'est ça. Gagne le don de la voix. Ok, c'était ça. Alors, on va garder De cette. la princesse et les deux voleurs. C'est même J'ai la dessiné fin. l'original. Et moi, je me rappelle avoir dessiné ce gâteau, qui est, et de très loin, ce qu'il y a de mieux dans ce tableau. Bien sûr, Liaison. Picasso. Alors tu devrais te souvenir de ce que. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. On est en train de réfléchir là. C'est un casse-tête ce jeu depuis le début. Puis quand un de ses amis. En fait, il faut qu'on trouve une scène où il y a les gobelins qui donnent des cadeaux à Marianne. Ah, c'était ça? Le pélican, non, ça c'est l'histoire avec le pélican, on s'en fout. Il y a le gobelin du pleuramusqué. Rencontre le troll des neiges avec de l'argent, ouais. Non, pas du tout. Le butin des gobelins malins. L'original du clé gobelin. Bah, il n'y a pas de récompense à la fin, si? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas toutes les histoires, hein. Je suis désolé les amis, c'est très très dur, il y a tellement d'histoires dans ce livre. Ah, c'était ça. La sorcière de la lune perd son nom. Le butin des gobelins malins. Ah, ce fait nos amis. Ah, c'était ça du coup. Alors, on va voir. Elle pleura longtemps. La princesse Charles, nous étions amis, nous. Pour protéger le gâteau que vous m'avez pris. Alors, attendez. Les gâteaux? C'est très dur à suivre l'histoire, les amis. Waouh. Oui, noix, farine. J'ai compris. J'espère qu'il y a ça Les dans le gobelins ont truc. volé dans ce conte, hein? Ouais, pour le gâteau. Peut-être qu'ils ont Oui. volé des fruits de la princesse. Oui. Ils ont volé aussi de la farine. De la farine pour le gâteau, peut-être. Et des noix qui étaient en haut. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? Mais non, pas des bonbons, des Attends. noix. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? Mais non, ils ont volé des Attends. noix. Je suis Voilà. sûr qu'ils ont volé des œufs. Non, c'est pas des noix ça. En fait, je sais pas trop. Et s'ils avaient piqué des cuillères? Non, ils avaient volé des noix, ils sont des En noix. fait, je sais pas trop. Ah. Ils avaient pas pris des vêtements de la princesse? Non. Peut-être pas. Non. Et ils avaient volé quoi d'autre? Il y a que ça? Attendez, je vais voir s'ils n'ont pas volé autre chose. Ils ont volé quoi d'autre? La disparition de ses provisions et de petits objets. Ok. Les derniers de ses. Oui, c'est moi. Ok. Donc, œuf, oui, farine. Et sur ce crime, trace de petits pieds, la farine est pendue, qu'il y a une trappe cachée, la princesse n'est pas d'ouvrir. Donc, il y a aussi les œufs et quelque chose d'autre. Il y a un petit objet. Faut qu'on retrouve un petit objet qui correspondrait à sa description. La cuillère. Et s'ils Et avaient piqué des cuillères? les œufs. Je suis sûr qu'ils ont volé des œufs. Alors, c'est pas la cuillère, donc c'est le manteau. Peut-être pas. Et s'ils avaient piqué des Donc, cuillères? c'est sûr qu'elle a tout Peut-être volé, pas. mais il manque un objet dans les vols. Ils avaient pas pris des. En Bah, fait, les je sais pas bonbons. trop. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? Ils ont peut-être tout volé, hein. Ils avaient pas pris des vêtements de la princesse. En fait, je sais pas trop. Et s'ils avaient piqué des cuillères? Alors, ils ont Ou peut-être pas pas? volé de la farine. Et si, ils ont volé de la farine, c'est sûr. Et des fruits? Attends.
Attends quoi? Peut-être pas. Mais si, ils ont volé des fruits, je suis pas con. Je comprends pas tout. Attends, on a bien regardé. Il marquait. La disparition des provisions. De provisions et de petits objets. Ok, même son dernier gâteau qu'elle avait confectionné avec ses derniers de ses œufs. Ah, ok. Donc, farine répandue. Donc, farine. Du tout lien, est-ce que j'ai peut-être lu trop rapidement? Ok, là, on va voir les gobelins qui vont apparaître dans le jeu. Et donc, du coup. Je pense que vous êtes cruel avec moi. Vous avez toute une provision. Je mourrai de faim avant la fin de cet hiver. Révélant deux bouilles aux sourcils financés. Il nous faut de la nourriture. Tous mes amis, nous pourrons partager le gâteau que m'avait pris. Les deux voleurs reniflèrent dédaigneusement. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Mais c'est des lignes trop dures. Comment on peut deviner les objets qu'ils ont volés? On sait même pas ce qu'ils ont volé vraiment. Donc, on est d'accord? Ils ont pas volé les œufs. Ils ont volé que les fruits et la farine. Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse. Bah, toute la bouffe. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? Je suis sûr qu'ils ont volé des œufs. Ils ont volé toute la nourriture de la princesse. Alors, c'est pas de la farine, du coup. Peut-être pas. Je ne comprends pas l'énigme. En fait, je sais pas trop. Oh les amis, c'est dur. En plus, je vais pas faire des sauts d'étape à chaque fois. Non, on va jamais finir ce jeu, quoi. Dernier de ses fruits, dernier de ses noix, il reste de farine fut volé alors qu'elle trouva sur le lieu du crime. Fut deux traces de petits pieds dans la farine répandue. Ils ont volé le gâteau. On est d'accord, ils ont volé le gâteau. Tu en as volé, en fait, je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. Bah je sais pas, ils ont volé quoi? Une cuillère pour manger le gâteau? Et s'ils avaient piqué des cuillères? Une farine? De la farine pour le gâteau peut-être. Et des œufs? Je suis sûr qu'ils ont volé des œufs. Et des fruits? Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse. Ils ont volé des fruits, c'est sûr. Alors, c'est pas la cuillère qu'ils ont volé. Peut-être pas. Ton manteau? Ils avaient pas pris des vêtements, en fait, je sais pas trop. Bon. Peut-être pas. On va partir. Je suis désolé les amis, ce sera un mystère que vous essayerez de découvrir de votre côté. Je vais pas me prendre la tête sur ce document qui manque. Écoutez, on les bonnes actions des gobelins malins. Bien sûr, les gobelins devaient aider les créatures de la forêt pour payer leurs dettes à la Pélican. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, je m'en souviens plus trop. Ah bah on va relire tout ça aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Deux gobelins. Tu sais que les gobelins ont aidé beaucoup d'animaux. Alors, attendez, parce que là, du coup, on va nous mettre encore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, du coup? Ils ont fait quoi? Ah, ils ont gratté le dos de l'orignal, ok. Donc, ils ont gratté le dos de l'orignal, est-ce que c'est bon? Ils ont gratté le dos de l'orignal, ça c'est ils officiel. Ont gratté le dos du solide orignal. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bon, ça c'est bon, ça va être compliqué, normalement. Sauve le mumie castor. Est-ce qu'ils ont fait quoi le mumie castor? Elle paillait, cria, il y a de plus en plus de rivières, à l'aide. Leur cachette. J'ai passé, gagné. Je lis en deux spies, les amis, parce que sinon on a pour tout 50 vidéos. Alors je fais dans moyen. Donc est-ce qu'ils ont récupéré la branche? Est-ce que. Ok, donc ils ont sauvé Mémé Castor de la noyade. Ils ont aidé Mémé Castor de la noyade. Ils ont réparé le barrage de Mémé Castor. Alors il reste plus que, évidemment, serrer la princesse dans leurs bras, faire tomber la ruche. Est-ce qu'ils ont nourri le machin là, je suis pas sûr. Ils ont retiré une épine du dos de la grenouille. Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Peut-être pas. Non, ça c'est peut-être sûr. Peut-être pas. Oh, ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Ils ont réparé le barrage de Mémé Castor. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleure. Peut-être pas. Ou pas. C'est au pif, là. Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Attends. Je vais lire, alors, pour le l'ours et la princesse, je vais lire. Alors, l'histoire avec l'ours. Ça, c'est qui, ça?
Le roi des glaces s'en fout. Les castors. La grenouille. La grande grenouille est punie. Ouais, mais ça s'en fout qu'elle est punie parce que nous, on n'est pas ici, nous, on est plus loin. Alors, ils ont des pélicans ou pas? Pélicans, il était pas sur l'affiche. Le troll des navires, on s'en fout. Alors, leur embusqué. Pourquoi ça nous a fait pas leur embusqué le rapport? Je ne vois pas de quoi vous parler. Ça marche, un site rigolo, ça sera la plus belle créature de la forêt. Leur embusqué était l'attention du roi, ça va. Il va raconter sa version de l'histoire avant que le roi des glaces ne prenne sa décision. Ça signifie que le roi poussait un embusqué à vendre sa fourrure. Ok. Donc c'était quoi par rapport à ça? Ils n'ont jamais nourri. Ok. Ok, très bien. Donc ça c'est sûr, il faut pas l'activer celui-là. Ah, est-ce qu'ils ont aidé quelqu'un d'autre? Le renne, ils l'ont gratté. Ils ont pas aidé les autres. J'ai pas vu l'ours dans l'histoire. Je vais voir s'il n'y a pas une histoire avec l'ours que j'aurais loupé. Alors, ils ont pas aidé l'ours? Je peux pas avoir quelqu'un à la princesse. Hein. Ils n'ont pas l'air d'avoir quelqu'un. Ah, l'ours, il est là. La grosse patte du vieil ours. Le vieil ours regarda partir en souriant. C'est si le vieil ours prouva qu'il avait un cœur plus large que ses grosses pattes. Attends, il est plus large. Et là, c'est quoi? Il n'y a pas d'histoire de ruche, du coup, je Attends. pense. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleurait. Ils ont retiré une épine du dos de la grenouille. Attends. En fait, je sais pas trop. Ils ont retiré une épine du dos. Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Attends. Ils ont offert des noix au rat musqué. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleurait. Ou pas. Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Peut-être pas. Oh mon Dieu, les amis, l'histoire est Ils incompréhensible ont et... retiré une épine du dos de la grenouille. Ou pas. Bon bah tant pis. Écoutez, il manque trois deux histoires dans le jeu, je suis désolé, mais là, on s'en va un peu la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Tu veux vraiment y aller? T'es Ouais, sûr qu'on a tout vu? pas grave, on y va. Allez, parce que là, j'ai mal à Dans la tous les tête. cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi. Moi aussi, parce que là, on peut plus, amis, je suis désolé. Il manque deux énigmes très dures. Et j'ai pas envie de les faire sans tricher. Donc si il faut tricher, autant faire autre chose. Bah écoutez, on reprend la suite de l'histoire. Je sais même pas, on est loin de la fin du jeu encore. En vrai, on va perdre du temps encore. Ah, ça m'embête beaucoup parce que du coup, on perd du temps pour des conneries, quoi. Du coup, on s'en fout un peu. On sait qu'il y a sûrement un truc par rapport à Tessa et un autre document qui est en rapport avec Sam, avec quelqu'un d'autre. Écoutez. Écoutez. C'est d'être Eddie, je ne sais pas. Pour tout ce ponton, les amis. Bon, je suis désolé, hein, il manque des parties d'histoire. Écoutez, si vous avez trouvé comment résoudre Qu'est-ce qu'on l'énigme attend? et ce qu'il y Je avait veux dans les connaître lettres, l'identité de cet enfoiré. à présent, on verra. Essayons de nous souvenir avec qui Marianne s'est disputée. Ah, une révélation. Ah bon, excusez-moi encore les amis hein, pour ce passage incroyable qu'on a vraiment loupé. Allez les amis, on va trouver enfin qui est notre père ou qui s'est connu. Moi c'est Alexander. Hein. Je reste sur une position. Tu j'ai gueulé ou pas? Presque. What? Non, c'est pas Todd. Tom, cet homme Vicky, notre Non! père. Mais Mais on oui! s'est Ça pouvait douté! être que lui. C'était que nous, Alexander! Bah T'es ça oui! savait. T'es d'accord? Purée, j'ai cru que c'était Ouais, c'est Alexander. obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux, Marianne et Tom. Je sais. Oh, Oh mon qu'est-ce qu'on fait Dieu! maintenant? On lui demande de C'était venir et on sûr, c'était l'oblige à nous dire ce qui sûr. s'est passé. C'était Et s'il refuse? sûr. On connaît son secret. Il viendra. Alexander du tout, Tom, c'était Tom. c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. Tom est notre daron, quoi. Oh, qu'est-ce que je fais la confrontation entre Tom. Tom, en plus, il est calme. C'est un mec très calme.
What the fuck? Oh, les révélations! Les amis. Oh mon dieu, on va voir Tom. Il va arriver. Chasseur fou, c'est Tom alors. Le grand méchant. Mais c'est un mec tout calme. Oh, s'il arrive, c'est qu'il est gentil. Ça va pas être un grand méchant, c'est pas possible, pas Tom. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok. Oh comme mon dieu. Tant qu'on obtient des réponses. La vérité, voici. Et là, c'est pas Tom qui est là. Alexander. C'est Tom ou Alexander qui va arriver? Enfin, moi, on sait que c'est Tom. Ouais, c'est Tom. Il arrive. Oh mon dieu. Écoutez, les enfants. Tu es notre père. S'il dit non, c'est Alexander. Ah, c'était bien lui. Oui, c'est vrai. Ah, bah voilà, la vérité. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait? On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si tu étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme. C'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. J'essaie de brûler notre grange. T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Ça explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Mmh. Ouais, bon, bah, t'as fait quelque chose, hein, t'as détruit notre passé, quoi. Et quoi? Tu veux lui dire? T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. On vient de le dire, ça. Vous n'étiez pas censé être là. Ça explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on fait quoi maintenant? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Oui. Tu dois réparer tes erreurs. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. C'est vrai, ça. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment que ça reste entre nous. C'est pas avec méchant, au final, Tom. Si comment si ça? Vous voulez que je paie pour mes erreurs? Très bien. Mais, par pitié, ne dites rien à Tessa. Oh, qu'on va lui dire. Oh, qu'on va lui dire, mec. Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est... C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi? Je... Mais... Mais elle... Elle quoi? Elle n'a jamais rien dit. Oh mon dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Ah, il y aurait 10 ans, quoi. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oui. Oh, bon sang! Vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée! Elle était dérangée! Wow, wow, tu vas te calmer, toi, ça devait finir comme ça un jour ou l'autre! Oh, tu en as fait ta proie, tu l'as abandonnée, voilà, on va être méchant avec lui. Et allez, tu pouvais s'énerve. Pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait. Ah, s'énerve avec moi. Même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toute seule ici! Voilà. Ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilités! Je n'ai pas eu le choix! Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah bah c'est arrivé, mon pote. Mais... Vous savez... Votre quoi? Mère était... Était quoi, ma mère? Une très belle femme. Et alors? Elle et avait alors tellement voyagé, et elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire.
Maintenant, elle est morte, ma mère. Je vais laisser prendre. À cause de ta gueule. L'amour m'a rendu stupide. Moi, je suis Stike Thunder. J'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Pourquoi? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Il n'y a plus de raison de se taire. Il a peur que ça plombe sa campagne. Je me trompe? Bon Dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Mais je le ferai s'il le faut. Quoi? Oui. Votre petite histoire de légitime Ouh là défense. Là là. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Mais qui t'arrive, Tom? Mais je vais le démolir, les gars. Ouh là là. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. Le chasseur fou. Tom. Oui, il a tout vu. On sait qu'il a tout vu. On sait que c'était. Il y avait quelqu'un qui était là. Et c'était lui, oh du coup. Le chasseur fou. On m'a forcé à le faire. On m'a forcé à le faire. Pourquoi il a fait ça? Tout est de sa faute. Sa faute. Tout est de sa faute. Ouais, Marianne est vraiment désespérée, la pauvre. On a l'air symptôme du coup. Le chasseur fou. Ah ouais, d'accord. Elle le voyait comme le personnage du chasseur fou, mais c'était Tom. Et il ne l'aurait même pas sauvé la situation, il nous a laissé. Tu es notre mère, hein, quand même, Tom. C'est un enfoiré. Hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est barré. Là, on a la version de Tom. Notre père. Et voilà. Non! C'est pas vrai! T'es qu'un putain de menteur! Je sais ce que j'ai vu. T'essaies de nous manipuler! Exactement comme tu l'as manipulé! Tyler! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi! Sois plus maligne, Allison. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Ça se fait pas ce que tu fais. Ça Son pas nom ce que sera fais. Lavé, mais pas le tien. Ce sera toi la meurtrière. Ah bah oui, mais ça, c'est abusé ce qu'il nous dit là. Et Michael, hein? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Pourquoi tu fais ça, Tom? Quoi? Tu la touches pas. Oh le Tyler, il en a rien à battre. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Bam, bam. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais, bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Eh ben, c'est déjà tout réfléchi. Il y a un tas de vie dans la balance. Allez, va-t'en. Fous-nous la paix, putain. Voilà. Reviens jamais ici. C'est ça. On veut plus te voir. Quelle tragique histoire, wow. Eh ben les amis, quelle histoire entre Tyler, Allison et leur père Tom maintenant du coup, on sait que c'est lui leur père. Et je sais pas comment ça va se finir ce jeu, là on a Allez, à la fin. Ça va? Je vais voir si je fais une dernière vidéo ou pas. T'as laissé ce connard te retourner le cerveau. Je vais regarder combien de temps il nous reste de jeu, je vais un petit peu me spoiler, entendre. Alors vous écoutiez. Et s'il avait raison?
J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Mais tu n'y es pour rien, ma chère Allison. Tu n'y es pour rien. Quand j'essaie de m'en souvenir, je vois plus que ça. Tu as fait gérer parce que tu pensais qu'elle est clairement vite en danger. Voilà. Et toi, tu laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça tourne pas rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Le laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas, là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler. Qu'est-ce qui se passe, là ? Enfin, c'est le dernier épisode, les amis. On va couper après, là. Il se passe beaucoup trop de cinématiques, on peut pas couper, donc du coup, c'est dommage. C'est qu'ils ont deux souvenirs différents, mais Tom, il a vu ce qu'il a vu. Donc, le souvenir... Il est vrai, c'est bien du coup Allison qui l'a tué. Tom, Todd, il a pas menti sur ça, je pense, Tom. Ou Todd, je sais même plus comment il s'appelle, en vrai. Donc ça c'est Oli, donc du coup Tyler. C'est Marianne, avec le fusil à pompe. Alors, on la connaît déjà cette scène les amis, on va pas la regarder 15 fois. Pourquoi il court ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Ouais, c'est des briques de souvenirs, ouais. Attends, quelque chose d'incroyable. C'est quoi ? Elle pointait son arme sur moi. Elle m'a poursuivi. Elle a dit qu'elle allait me tuer. Pourquoi là elle est calme et là elle est énervée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a menacé Tom exactement de la même manière. Avec la même arme, sur le même ponton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici? J'imagine que c'est possible. Merde! Je sais pas. En plus, je sais pas, je comprends pas. Je comprends. On n'aura jamais la vérité, c'est ça? Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc, c'est fini. Ouais. Ok, ouais. Écoutez, l'épisode va continuer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure, hein, il n'y aura pas d'arrêt ou quoi, et ça va se reprendre à ce moment-là. L'épisode 18, l'épisode final du jeu, parce que je vais faire une coupure, ça va quand même faire 42 minutes de vidéo. Je vais pas faire un épisode qui dure une heure, je pense. Je vais vous faire un épisode final, donc du coup, je vais arrêter le tournage ici. On se retrouve pour l'épisode 18, l'épisode final, avec un petit résumé peut-être avant de lancer de tout ce qu'on sait et ce qui reste à... Voilà, enfin, on fera un résumé plutôt à la fin du jeu. Là, on va reprendre l'aventure épisode 18, et à la fin du jeu, on fera un gros résumé de l'histoire, de ce que j'ai compris. Et en même temps, j'essaierai de comprendre ce qu'il y aurait pu avoir dans les deux boîtes qui nous manquaient à ouvrir en début d'épisode, parce que je n'ai pas trouvé les combinaisons de codes dans le livre de la princesse. Évidemment, écoutez, on se retrouve de suite, pour moi, mais pour vous, dans le prochain épisode, pour la fin du jeu, l'épisode final, l'épisode 18, parce que là, je suis quasiment à la fin, moins d'une demi-heure de jeu, donc je vais finir l'épisode en même temps, j'ai le tourné à la suite de celui-ci. Prenez soin de vous, c'était Dan Alex, du love et des bisous, désolé pour les coupures, les moments aussi où j'ai pas foué dans cette vidéo, évidemment j'ai parlé un petit peu rapidement, etc. Parce que j'étais tellement dans l'action du truc que j'ai pas tout bien fait. Mais en tout cas, lors du prochain épisode, ce sera le final. Prenez soin de vous, c'était Dan Alex, ciao tout le monde, merci encore.